Commençons par quelque chose de facile. Faites-moi des frites. Facile? Ouais. Moi, je veux juste apprendre à cuisiner. Non, que le monde, plus les pommes de terre, je serais mieux de faire de l'huile. N'en a jamais trop. Alors, l'huile est presque bouillante, ce qui signifie qu'elle est temps de verser les tranches de frites cuites. Non! Stop! Oh, oh non! C'est chaud, aidez-moi! Qu'est-ce que tu fais? T'as presque réussi à nous enflammer en faisant bouillir de l'huile. L'huile doit être versée avec précaution. Ensuite, les frites gagnent uniformément. Ouais. Ok. Rien de difficile. Les frites sont prêtes, il en reste un peu de sauce à ajouter. Non, mais des frites, je pense que ce sont juste des pommes de terre. Moi, je vais faire des vraies frites. Et ce n'est pas tout. Je vais faire des frites ordinaires, vraies délices. J'ai pas besoin de bacon, de sauce. Et du romarin. Quelle odeur! Bingo. C'est vrai! J'ai pas encore tout perdu. Pourquoi pas utiliser une pomme de terre en marmelade? Ils disent que si tu le trempes dans le sirop à la fraise, ça sera encore meilleur. Waouh! Je vais commencer à essayer les délices avec les pommes de terre du milieu. Mamie, c'est vraiment cool. Non, je supporte pas le romarin. Je suis désolée, madame le chef, mais j'ai pas du tout aimé. Et moi, j'ai quand même apprécié l'idée des pommes de terre à la marmelade. Je sais pas qui choisir, peut-être ça va être la mamie. Oh ouais! Cette fois-ci, la tâche est plus difficile. Tu dois faire des sushis. Come on! Ouais! Ça va être cool. Non mais ce sushi, dans le village, on n'a aucune idée ce que c'est le sushi. Non mais je vais faire des sushis. Ouais! Les sushis, c'est ennuyeux. Le sushi est fait avec des bonbons, ça c'est autre chose. Il y aura de la crème fouettée à l'intérieur et des yeux gelés, ensuite des oursons en marmelade. Cool, génial. Et bien sûr, il faut pas oublier la sauce au chocolat. C'est intéressant ça. Moi aussi, j'ai une idée intéressante. Ouais, je vais juste répéter d'après le chef, mais après, il n'y a rien de difficile. Rien de difficile? Voyons à quel point tes sushis sont dégoûtants. Je sais comment ajouter de la sauce. Comment on appelle ça? Un avocat? Ouais. Non, mais vous arrivez vraiment pas. Non, mais regardez. Ça, ce sont les sushis parfaits. Quel cauchemar. Je pensais pas que votre sushis sont si dégoûtants. Mais bon, je vais entourer une saumon. Je vais en mettre beaucoup. Il faut pas oublier la sauce soja. Du poisson, vous dites? Bon, je vais faire comme vous dites. C'est fait. J'espère que ça va être bon. Waouh! Oh non! Non, mais c'est vraiment mieux. Bingo! Mais je sais ce qu'il faut faire. Pourquoi ne pas faire des sushis au concombre? C'est à la fois délicieux et sain. Oh oui! Et dégoûtant. Pourquoi ça? Le concombre est un très parfait pour les sushis. Tout ce qu'il t'a à faire, c'est d'y mettre beaucoup de riz. C'est pas du tout appétissant. Attends, ce n'est pas tout du tout. Regardez quelle beauté! C'est quoi ça? What?
Non, mais je n'ai jamais vu des saucisses au concombre. Non, je vais même pas manger ça. Oui, des sushis sucrés, ça, ça a l'air génial. Oh, wow! Cool! Mais pas du tout nourrissant. Il reste le dernier candidat. Oh, voilà, les vrais sushis. J'adore. Oui, vous avez gagné, madame la chef. Oui, c'était évident. Oh, non! J'espère que tout le monde peut faire une gaufre. J'ai entendu dire qu'il faut commencer par la pâte. Je pense que j'aurai pas de problème avec ça. Okay. Je vais ajouter un peu de farine, du sucre. Ouais, je mélange. Cool. Et où est la farine? Oh, oh. Je vois qu'il y a quelque chose dans l'odeur. Wow, tant pis pour la gaufre. Non, continuons. Oh, wow! J'ai versé beaucoup, mais je pense que c'est ce qu'il faut faire. Mais je vais tout bien mélanger. Maintenant, je vais mettre tout ça ici. Peut-être le gaufre le plus bon du monde. Oh oui, la pâte s'avère très savoureuse. Et surtout, il n'y a pas de cookies d'œufs. J'espère que la gaufre sera vraiment bonne. Tout le monde a ajouté du sucre, mais je sais que le sucre est mauvais pour toi. Alors à la place, je vais ajouter une aubergine entière bien et mûre. Je vais en faire la pâte. Ouais, regardez ce que je fais. C'est fait. Maintenant, j'ajoute des œufs. Et bien sûr, de la farine. Je mélange le tout. Et j'ajoute du beurre. C'est dégoûtant, ça. Mais cette pâte est tellement plus saine que la tienne. Vous pouvez maintenant te mettre dans le gaufrier. Et maintenant, regardez ce que je fais. Ouais, c'est une bonne idée. Oups. Non, mais regardez, ma gaufre, ma pauvre gaufre, ça fait chaud. C'est bon. Bingo. Et je vais tout cacher avec la crème fouettée. Et la fraise. Alors, c'est bon, n'est-ce pas? Et moi, je vais mettre du sirop d'érable. Un peu de beurre, pourquoi pas? Oh oui, oui. Oh, c'est génial ça. Et moi, je vais mettre des trucs comme ça, les verres. Oh, j'ai hâte de goûter tout ça. Je vais commencer par cette gaufre. Oh non, en fait c'est trop, je vais pas manger ça. Et ça, qu'est-ce que c'est que ça? Oh non, ces gaufres saines, je les déteste. Et ça, c'est quelque chose de bon? Oh oui. Oui, c'est ce que je voulais. Mamie, t'as gagné. Oui, je suis tellement contente. Je veux avoir une bonne tasse de café après. D'accord. Ok. Oui. Facile. Je viens d'avoir une idée brillante dans ma tête. Le café chaud et un nuage. Alors le café froid, c'est-à-dire frappuccino, est vraiment stylé. Faut mettre beaucoup de glaçons dans une grande tasse. Et ensuite, faut ajouter un délicieux sirop de chocolat. Eh bien, tu ne faut pas oublier le café lui-même. En fait, c'est le café Starbucks. Et de plus, un milkshake ou chocolat Twix ne serait certainement pas trop. Je vais friser un peu et utiliser à la place du lait. Je pense que je vais préparer un café classique.
Je sais que ma petite fille l'aime bien. Bon, je pense que c'est fait. Je vais ajouter de la crème fouettée, des bonbons et les chocolats à la fin. Biscuits Oreo. Et un Twix. Et bien sûr, faut pas oublier la paille. Oh, n'importe quoi. Bon, c'est à mon tour de faire du café. J'utiliserai une balance pour mesurer la bonne quantité d'eau. De crème de café. Ok. Maintenant, je vais faire le café. Regardez et apprenez. Et maintenant, je verse de l'eau bouillante. Ouais, il faut faire comme ça pour faire du café. Parfait. Maintenant, je vais le mettre dans la tasse. Et le lait, je vais le fouetter à la main. Oui, regardez, en plus, c'est beau. J'ai commencé par le café du milieu. Mamie, je déteste ce café. Je l'aime pas du tout. Oh. Ok. Ça, ce café a l'air cool. C'est bon, mais c'est un peu amer. Non. Il reste la dernière tasse. Oh oui, j'adore. Mon frère, t'as gagné. Ouais, enfin. C'est quoi cette boîte? Et qu'est-ce qu'il y a là-dedans? What? Oui, c'est encore mieux ce que je pensais. C'est une décoration de voiture. Ça a l'air super. Et cette pièce ici? Oui, les disques roses. Juste ce qu'il faut. Oui, toute la voiture sera rose. Oh, regardez l'énorme nœud. Je vais le mettre juste ici. Et quelle princesse n'aurait pas de cils brillants et de jolies lèvres? Fais-leur un clin d'œil. Non mais se moque de moi. Ma voiture devrait être aussi bien. C'est vrai. Je vais tout commander en ligne. Ouais, merci, vous m'avez fait peur. Ok. Bon, tiens, voici tout ce dont j'ai besoin. Commençons par le rouleau, la peinture noire. Je vais tremper dans la peinture et c'est parti. Ouais, ma voiture sera toute noire. Yes! Wow! Des jantes, juste ce qu'il faut. Oh oui! Je vais être comme un pirate. Génial! Ouais, je vais mettre ça juste là. Et ouais! Génial! Oh, le rose me va tellement bien! Quoi? Non mais t'as décoré ta voiture aussi. Tu me répètes après moi. Eh ben non. Je l'ai inventé par moi-même. Ah ouais? Alors tiens. Voici mes nouveaux tapis. Tellement doux. Et les temps de décorer l'intérieur de la voiture aussi. Oh, comme c'est mignon. C'est d'or et de lapin aussi. Je vais le mettre sur le volant. Le tableau de bord doit être doux aussi. Et pour le frein à main et la boîte de vitesse, j'ai essayé où cela? Quelques épingles à cheveux et des cubes roses. Yes. C'est vraiment parfait. Oh, ça te plaît? Monsieur Licorne, tu seras assis juste là. Et quand j'ai bien décoré ma ceinture, maintenant ma voiture est tout simplement parfaite. Quoi? Mia a décoré l'intérieur? Oui, t'es jaloux? Non! Oh, j'ai quelque chose dans mon sac! Un drapeau de pirate pour les sièges arrière! Waouh! Et pour les sièges avant aussi! Et au lieu d'un volant, j'aurai un vrai volant! Un petit bateau de pirate pour le tableau de bord! Et encore des têtes de mort! Voici mon passager! Ça va, squelette? Eh ouais, je vais les dire! Attends un peu! Je te rappelle.
Mike, c'est qui dans ta voiture? C'est un squelette! À l'aide! Tape mon sac, monsieur le squelette! C'est vraiment effrayant! Oh, wow. Il l'a arrosé de Nutella! Cool! Quoi? Charge à zéro! Non! Il faut que je regarde mon. Non! Je crois que j'ai une idée! Ouais, je vais accrocher la corde juste là et attacher la tablette. Ouais, maintenant c'est vraiment con au ciné. Tu veux des chips? Tellement drôle. Encore un selfie? Et comme ça, voyons. Oh, je suis tellement bien dans ma voiture. Oh, qu'est-ce qu'il fait, Mike? C'est quoi, c'est le ciné? C'est cinéma? Oh, j'ai une idée. Je vais juste aller dans le magasin et voilà la nouvelle télé. Je vais le mettre juste là. Viens ici, mon petit bébé. Je t'ai trouvé une super place, c'est parfait. Oh non, il faut vraiment une super place. Voilà. C'est pour ce on juste ici, il faut juste appeler les copines. Oh les filles, venez, prenez du pop-corn. Regardez comme c'est cool. Oui, vraiment, c'est génial. Qu'est-ce qui se passe? Non, mais... Quoi? Est-ce qu'elle regarde un film sur des poufs? Oh non, je vais leur montrer. Il est temps de s'entraîner. Et voilà, elle est où, mon entraîneur? Et maintenant, je mets le tapis et je peux commencer. Et un, et deux, et un, et deux, et un, et deux. Salut, les filles. On fait ensemble. Et un, et deux, et un, et deux. Ouais, répétez après l'entraîneur. Qu'est-ce qui se passe? What? Est-ce qu'ils entraînent? Non. Bon, je dois arrêter avec le burger. C'est une boîte très lourde. Il y a mon matériel de gym dedans. Je vais mettre les haltères dans le coffre. Comme ça. Et voilà une haltère juste là. Hé hey, les gars. Hello. Salut, ça va? Alors? Oui, on fait comme ça. Pour les muscles. Oh, oh, je suis vraiment fatiguée. Non, mais arrête. Tu regardes où? Vas-y, encore. Hello. Je crois qu'il m'a fait un clin d'œil. Salut. Kate, qu'est-ce que tu fais? Oh, quel mec! Et quel muscle! On va les voir. Vas-y. Oh, salut. Oh, les filles, vous êtes où? Oh non, je suis toute seule. Oh, c'est tellement lourd. Je crois que les filles ont quitté Mia et ce n'est pas normal. Je suis toute seule. Mais hey, Mia, pourquoi tu pleures? Hey, non. Allez, je vais m'entraîner avec toi. Allez. Okay. D'accord. Tu te débrouilles plutôt bien.